Ah. Je suis pas du tout stressé, c'est ça qui est bien. Retardrong. Bonjour! Oh non, mais moi ça va, hein? Je suis complètement à l'agonie. Niveau stress. Ah putain, ok. Oh! Ok, on se calme, on se calme, on se calme. Fildrong, c'est rien, c'est rien, c'est un jeu! C'est un jeu! Ok. Bonjour, Chet. Bonjour. Je me sens trop mal. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ta 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 ta. Tu vas y arriver? J'espère vraiment que je vais y arriver! J'espère vraiment que je vais y arriver! De toute manière, il y aura du sang, soit le sang de Cynthia, soit le mien. Prépare le papier toilette. Aïe 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 aïe! On va le faire! Bonne chance pour le first try. Merci beaucoup! Prépare-toi bien, achète des rappels. Eh ben non, je peux pas! Allez. Bon. Salut à tous, c'est Filong. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la suite du Let's Play sur Pokémon Diamant Étincelant en Nuzlocke. Mon équipe est actuellement devant la ligue, mais j'attends évidemment la fin du générique de la nostalgie. Parfait. Ok. Bon. Le first try, le first try, le first try, let's go! Bon, ok. On va voir. Donc, salut à tous, c'est Philo. J'espère que vous allez bien. On est du coup devant la ligue. Hein. La semaine dernière, nous sommes arrivés devant la ligue et j'ai eu un peu de temps. Enfin, on est arrivé devant la ligue lundi hein, et j'ai eu un peu de temps pour préparer ma team. Et du coup, je vais pouvoir vous présenter. Comment j'ai adapté ma team. Bon, concrètement, j'ai pas changé grand-chose aux attaques des Pokémon, mais vous allez voir que il y a quelques petites surprises. Donc, on va commencer du coup avec le premier Pokémon de mon équipe. Non, non, il n'y a pas de Rhinastock dans cette version, ça qui est bien au moins. Nous allons commencer du coup avec Squeezie PNL qui est le lead de la team hein, que j'utiliserai en lead, je pense, dans tous les trucs parce qu'il pose les pièges de roc et qu'il a fermeté. Il a la nature joviale donc du coup il est mine de rien assez rapide. Ça c'est plutôt pas mal. Merci beaucoup pour vos dons, merci Mirumi. Go, 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 Fifou. Exactement. Donc du coup, ses attaques sont piétisole pour ralentir un Pokémon rapide. Séisme, c'est son attaque qui fait le plus mal. Boule Rock, à mon avis, va beaucoup servir, notamment face au premier dresseur qui, il me semble, est de type insecte. Merci Berlix! Ah bah pour l'instant, on n'a pas Pichon, hélas. Et enfin, nous avons les pièges de roc qui sera le rôle le plus important de Squeezie PNL qui va du coup, je l'espère, ne pas mourir bêtement. Ouais, on va voir, on va voir, on va voir. Le deuxième Pokémon, c'est notre ami Ernestine qui a survécu pour l'instant, jusqu'au bout du jeu. Il possède du coup le set suivant. Vol, c'est son attaque principale, évidemment, ça fait très très mal. Poison Croix, c'est son stab de type poison. Demi-tour, c'est pour pivoter, hein, ça peut être plutôt pas mal, je pense, vu qu'on joue, je rappelle, en mode défini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de choix, hein, c'est, tu dois switcher toi-même. Merci beaucoup. Donc du coup, si sur mon Ostenfer, il y a un Pokémon chiant qui arrive, je peux faire demi-tour, c'est gratuit. Ça fait des petits dégâts de gratte.
Merci à Morwen pour ton... J'ai la voix qui tremble, je suis... Les mecs, il faut que je vous en parle. Je suis en stress total. Alors que... Bah, j'en fais tout le temps des j'en fais tout le temps des challenge newslog comme ça. Mais là, je sais pas pourquoi. Je suis dans un stress maximal. Me demandez pas pourquoi, je sens trop mal. Alors, c'est peut-être parce que tous mes potes streamers ont galéré à faire Cynthia. Tout le monde me dit que je vais galérer. Tout le monde me dit, tu verras, il y a des sets stratégiques, machin. Et du coup, voilà, c'est un peu dur. La dernière attaque, c'est Aeropic. Je savais pas trop quoi mettre. Aeropic, je me suis dit, on sait jamais. Vu que j'ai fait la 3G récemment et qu'il y a que des Pokémon avec reflet et jet de sable, au moins là, ça peut pas rater. Merci beaucoup. Donc Aeropic c'est toujours plutôt pratique. Et puis contrairement à Vol ça peut pas rater. Parce que Vol je rappelle a une petite chance de rater. Au niveau des objets hein, bon alors je savais pas trop quoi mettre à Grolem et à Ernestine. Donc du coup je leur ai mis une Bessitrus. Je me dis que ça peut être pas mal les Bessitrus pour gérer peut-être pour tanker des attaques. Je sais pas. La Bessitrus maintenant c'est fort hein, c'est, ça te rend 25% de TPV quand tu tombes sous 50%. Donc mettons qu'une attaque de l'adversaire te fait 60%, tu vas repasser à 65% de vie au total et du coup tu peux retanker une attaque derrière. C'est un peu ça l'idée que j'utilise. Sur Grolem en plus c'est pas mal parce que si jamais, je sais pas, il y a une ébullition qu'il met à un point de vie, eh ben il ne sera pas mort tout de suite. Voilà. Le Pokémon suivant c'est Xavier Frigo. Xavier Frigo qui est nature modeste, qui a Giga Sensu, Éclat Magique, Tombe, Bombe Burk et Toxique. Je sais pas trop comment on va s'en servir de Xavier Frigo pour l'instant. Je vous avoue, alors, je connais la team de Cynthia par cœur, mais je connais pas le reste de la ligue. Parce que je suis pas un joueur de la 4G. Donc je ne sais pas trop, à part, je sais juste que le premier c'est Insecte. Le dernier... Genre, il y a Insecte, je sais qu'il y a Feu, parce que c'est celui qui ressemble à Rédemption. Je sais, me spoilez pas, je vais pas regarder le chat parce que ça va spoiler. Je sais qu'il y a... En vrai, je suis sûr que de ces deux-là. Je crois que le dernier, il est type psy aussi. Mais le deuxième, je sais plus. En tout cas, voilà. On a Giga Sensu avec la Magique Bomberg et Toxique. Et je suis allé lui chercher les lunettes choix qui va booster son attaque spéciale de fou. Mais en échange, il pourra utiliser qu'une seule capacité. Je pense que comme c'est un Pokémon qui va globalement spammer une attaque, eh bien, voilà, on est pas mal. Le Pokémon suivant, c'est Pizza. Pizza, le tritosaure, il est nature pudique, c'est un peu de la merde, mais c'est pas grave. Par contre, il a un set vraiment stratégique, enfin, presque 100% stratégique. Il a Surf, qui est stabé, du coup, qui est une attaque qui est vraiment, vraiment forte. 90 de puissance, alors qu'il a pas une mauvaise attaque spéciale. Hein. Il a 146 en attaque spéciale, ça fait quand même des dégâts. Il a également Telluriforce, qui... Je regarde pas le chat, je fais bien attention de pas regarder le chat, parce que je sais que vous êtes en train de me spoiler, et je veux pas que vous me spoiliez, donc... Je veux découvrir, s'il vous plaît. Telluriforce, ensuite, c'est son deuxième stab. Ça a 90 de puissance aussi. Un peu meilleur que Surf, étant donné que ça peut baisser la défense spéciale. Donc, ça peut être plutôt pas mal. Et en dernier, nous avons Laser Glass pour les éventuels types dragon, type... ou genre de truc, je sais pas. Type vol aussi. Hein, ça fait plus de dégâts sur le type vol. Et en dernier, nous avons Soin. Parce qu'il faut savoir que je vais essayer de faire cette ligue sans utiliser d'objets. Alors, attention! C'est un Nuzlocke. Je m'autoriserai des objets si je vois que c'est ma seule solution. Mais tant qu'il y a moyen de faire les dresseurs sans objets, je tenterai de le faire sans objets. Ça veut dire que si je peux switcher, je tenterai de le faire sans objets. Mais si je vois que j'ai vraiment besoin d'objets, c'est pas un challenge sans objets. Je tente de me rajouter un challenge sans objets, mais si j'y arrive pas... C'est pas grave, ce n'est pas, ça sera pas de la triche, ça voudra pas dire que j'ai perdu, c'est juste que voilà, c'est un challenge en plus, on verra si j'y arrive, je pense que ça va être, je pense que c'est impossible d'y arriver, mais voilà, les objets en combat évidemment. Ensuite nous avons Napoléon, c'est le Luxray du coup, qui a Tonnerre, Cage Éclair, Change Éclair et Machouille. Cage Éclair, ça peut être vachement utile, on sait jamais. Machouille, bon, bah, c'est un peu faute de mieux. C'est un peu le Pokémon, je sais. C'est un peu le Pokémon que j'ai le moins, qui est le moins réfléchi, je pense, de la team, avec peut-être Ernestine, hein, qui a un set un peu bizarre. Et du coup, voilà, hein, il a l'aimant, donc normalement, Tonnerre et Change Éclair devraient faire quand même des petits dégâts.
Je pense qu'il y a moyen qu'il fasse mal quand même ce Pokémon. On verra, on verra, on verra, on verra si on arrive à l'utiliser. Enfin, comment on arrivera à utiliser la team, hein, parce qu'encore une fois, je ne me suis pas trop spoil, à part la team de Cynthia, évidemment, qu'on connaît par cœur, parce que c'est dans la culture, hein, évidemment, tout le monde sait, Cynthia, c'est Spiritomb, Tritosaur, Milobelus, Karchakrok, Lucario, Roserad. Bon, voilà, ça fait partie de la culture générale, et à partir de Platine, elle enlève son Tritosaur et le remplace par Togekiss, mais elle ne l'a pas dans Diamant. Donc en dernier, nous avons Grignote, évidemment le Bronzong, il est de nature timide et vous allez remarquer qu'il a les restes, j'ai trouvé les restes comme objet et ça c'est plutôt une bonne nouvelle et ça c'est cool. Accrochez bien ta ceinture, Fifou, bon courage. Ouais, elle est bien, bien accrochée. Tu mens, tu t'es spoil. Bah la team de Cynthia, j'ai vu des extraits, donc oui... Conséquemment, je connais la team. Pour voir tes exploits. Bonne chance, Fifou. Merci Dragonfly. Ouais, je connais pas mal de Pokémon de la team de Cynthia parce que les gens en parlent. Je connais le set du Karchakrok, je connais le set du Milobelus, le Tritosaur, je connais pas toutes ses attaques, mais je crois qu'il a séisme. Le Lucario, je sais que c'est un Lucario avec machination. Le Spiritomb, je sais que c'est un Spiritomb qui a que des attaques, je crois. En tout cas, il a Kuba, Psycho, Vibre Obscur au moins. Je ne sais pas s'il a Balombre. Et le Roserad, je ne sais pas ce qu'il a en vrai. Le Roserad, je ne sais pas ce qu'il a. Il a une attaque plante, je suppose. Peut-être qu'il a Poudre Dodo. Je ne connais pas le set du Roserad. Alors, le set du Archéodong, du coup, c'est c'est un peu mon atout. Il a une seule attaque offensive et il a plénitude et mur de fer et clonage. Voilà. Donc du coup, l'idée c'est très très simple. Ce Pokémon, tu le places sur un Pokémon qui tape pas trop fort. Tu fais mur de fer ou plénitude selon sur quoi il tape. Derrière, tu mets clonage parce que ça te protège contre... les coups critiques évidemment et ensuite tu as Luminocanon pour faire le taf, mais je pense que Luminocanon, j'hésite encore avec Psycho, donc en vrai si j'arrive jusqu'à Cynthia avec je pense que je mettrai Psycho dessus. Luminocanon c'est parce que j'ai mis Luminocanon plutôt que Psycho au début parce que je pense que comme le mec, il y a un dresseur de type psy, ce sera mieux d'avoir Luminocanon parce qu'il y a des chances que je doive utiliser Archéodong contre le dresseur de type psy. Parce que je suis pas du tout sûr de ma capacité, la capacité de ma team. Je n'ai pas de type ténèbre. Ma seule résistance psy, c'est Archéodong. Alors, c'est vraiment une très très grosse résistance ténèbre, mais voilà. Bon. L'autre truc que je voudrais faire, c'est juste... Avant de commencer, on va commencer, vous inquiétez pas, mais juste... Je voudrais préparer un peu mon éventuel team pour quand j'aurai perdu. Je suis... Si je perds, je pense que c'est obligé de mettre Magikarp. Alors, est-ce que j'ai un bon Magikarp? J'ai doux. Je regarde si j'ai un Magikarp rigide ou un truc comme ça. Il est foufou, lui. C'est vraiment de la merde. D'où c'est vraiment de la merde aussi, d'ailleurs. Lui, il est naïf. Naïf, c'est pas ouf. Ah bah, j'espère, et sans arrière-pensée, ouais. Bon, j'ai... Merde. J'ai vraiment que des natures de merde, hein. J'ai que des natures de merde. Je crois que ma moins pire nature, c'est celle-là, je crois. Ah non, mais j'ai que des natures qui baissent la DSP, c'est vraiment pas de chance. Bon bah on mettra Pichon parce qu'il a le nom Pichon, voilà. Ouais, on remettra un Rocaillou, c'est sûr. Est-ce que j'ai un bon Rocaillou? Alors attends, j'ai quoi comme Rocaillou? J'ai bizarre... Alors il me faut un Rocaillou fermeté déjà. Ok, lui il a fermeté, il a une nature correcte. On peut utiliser lui. Michoucraft peut être utilisé. Jovial fermeté, ok d'accord. Donc pour l'instant on a un autre Jovial fermeté. Ensuite on a... Rigide fermeté. Ok d'accord, on utilise rigide fermeté 100%.
C'est si on perd, hein. Mais comme ça, au moins, j'aurai moins le seum de savoir que j'ai une autre team que je peux refaire. Merci beaucoup pour le sub. Ok, ensuite, je pense qu'on remettra un... En vrai, Naïf, c'est pas si mal, en vrai. On peut remettre un Roselia. On essayera de mettre... Je pense qu'on va essayer... On va tenter... Je pense qu'on mettra Ectoplasma. Ok. Ça peut être fort, Ectoplasma. Ectoplasma... Roserade, je pense que c'est bien. C'est toujours bien d'avoir un Roserade. Ça fait deux faiblesses psy, mais bon, c'est pas très grave. J'aimerais bien avoir un type ténèbre, en vrai. J'ai pas un type ténèbre. J'ai aucun type ténèbre. Si, je peux mettre lui, hein, je peux mettre Sneasel, en vrai. Mais il est très fragile. Il faut remettre un Ernestine aussi. Ah oui, mais il a pas une nature de merde, de l'enfer. Ah, il est calme. En vrai, calme. Vas-y, Jésus sauve. Et il me faut un Pokémon un peu résistant, du coup, en dernier. Plume dans le cul, ça peut être pas mal, parce qu'il a... En vrai, on avait dit qu'on... De toute manière, on avait dit qu'on jouait Plume dans le cul si on avait besoin. Enfin, si on perdait, on avait dit qu'on sortait Plume dans le cul. Et si on perd avec le deuxième essai, on ira avec Dialga niveau 100. Et on gagnera quand même le Nuzlocke. Mais on pourra dire que le Nuzlocke m'aura mis dans la grosse merde. Bon, voilà. Est-ce que tout est prêt? Est-ce que j'ai des objets? J'ai des hyper potions, j'ai des potions max, j'ai des guérisons. Très bien. Ah, j'ai le Vénard sinon. Ah, j'avoue, le Vénard! Attendez, on met le Vénard dans la nouvelle team. Non, mais vous avez raison, le Vénard, c'est du génie. Ça va être très chiant à entraîner, mais c'est vrai qu'on a le Vénard. Ah, vas-y, à la place de Farfuré, calme. Voilà! C'est bon, on a la team. On a la team de retour. J'ai quelques élixirs et tout. Bah écoutez, on y va. Allez! Les mecs! C'est parti. Montre-moi les badges que tu as récoltés à travers notre belle région que je vois si tu es apte à défier la Ligue Pokémon. Tu as donc obtenu le badge Charbon de Charbourg, le badge Forêt de Vestigion, le badge Pavé de Voie la Roque, le badge Palustre de Verchamp, le badge Fantôme d'Union Police. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Le badge Mine de Joliberge, le badge Glaçon de Frimapic. On y réfléchira, on remplacera le truc. Et le badge Phare de Rivamar. Ouais, au pire j'ai Riolu, ouais. T'as des rappels? Bah non, je suis en Nuzlocke, c'est le principe. Alors, le dernier truc que j'ai oublié de vous dire, j'ai baissé l'infection de tous mes Pokémon. Tous mes Pokémon ne m'aiment plus. Donc du coup, normalement, voilà. Et c'est parti! Oh, je suis en stress de ouf! Ok. Ok. Le premier truc à faire, c'est de sauvegarder, comme ça on peut pas revenir en arrière. Ok, c'est bon, c'est bon. On n'a pas lavé les badges. J'ai oublié de laver les badges. Je vous préviens, j'ai oublié de laver les badges. Ah oui, on peut avoir les pierres dans le souterrain au pire. Ok, ok. Ok. Bon, le premier, on va voir. Bonjour et bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Aaron du Conseil des 4. Ravi de te rencontrer. Je te préviens, je suis un grand fan des Pokémon insectes. Ils sont à la fois redoutables et magnifiques. Et si je me bats ici, c'est pour devenir parfait comme les Pokémon insectes. Ouais, le type insecte, le type parfait. Aaron, calme-toi. Ça t'apporte quoi de baisser l'affection? C'est le jeu est plus dur. Pas d'objet, pas d'affection. Je tente pas d'objet et pas d'affection Nuzlocke, c'est sûr. Ok, c'est parti. Premier Pokémon Papinox, ça va. Allez, on met les pièges de roc. Ok, il met le mur lumière. Pour l'instant, ça me dérange pas trop. Allez, boule rock. Allez, touche, 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 touche. Non. Il a fait bourdon. Bon, ça va, bourdon.
Aïe. Ok, il a la boue noire. En vrai, là, séisme, ça tue 100%. Faut pas exagérer. Ok, Papinox, c'était facile. Be ready pour Giga Drain. En vrai, c'est pas grave parce que j'ai fermeté. Moi, ça c'est pour ça que je lead avec, parce que comme ça, je peux savoir ce que vont faire les Pokémon. Ernestine va prendre l'âme d'air. Non, ça m'intéresse pas. Ah! Alors, Scarino, c'est... en vrai, normalement... Bon, normalement, il va faire une attaque combat. Il peut faire close combat. Il peut faire l'âme de rock. Non, mais c'est bon, il va pas faire l'âme de rock. Il va faire une attaque combat. Il va faire close combat. Ok, casse-brique, là. Ok, ça fait 0. Oh non, c'est le cran. Ok, vol. Et si ça rate? Et si je rate vol? Est-ce que vous pensez qu'Aéropic tue? Moi, je pense qu'Aéropic tue toute l'année, il faut arrêter. C'est Aéropic sur Scarino, c'est 90 x 4, 180, 360. Ça tue toute l'année. Ok. C'est bon. C'est le premier dresseur. Ok. Mur lumière n'a plus d'effet. Ok, il a vraiment des Pokémon. À part Scarino, pour l'instant, il a vraiment des Pokémon de merde. Allez, Aéropic, ça tue large. Ça, c'est bon. Ça, c'est facile. Ok. Pour l'instant, ça va. C'est facile. Pour l'instant, ne jinxe pas. Allez, Apirène. Non, n'exagérons rien. Allez, l'équipe est tendue. Oh là là, les pièges de rock. Oh! Ok, il a la Bécitrus. Bon là par contre je dois faire vol, c'est parti. Bon, on est d'accord qu'Apirène me touche pas. Il a appel défense. Oh sa mère. Si ce setup... Après j'ai toxique au pire. Ah oui mais... Est-ce qu'il va avoir une attaque vol ce truc? Oh c'est bon, vol passe. Mais d'où? Ok. Oh il a acrobatie. Oh, ça fait mal! Qu'on critique! Ok. Il faut que je... En vrai, Aéropic, là, ça tue. Aéropic, ça tue. Oh, putain, les guérissons. Oh, je fais 0! Ok, demi-tour. Ouais, Apirène, c'est bulky. Allez, Napoléon. Allez, Napo! Regarde d'où tu viens! Regarde jusqu'où t'es passé! Regarde! Pense à tous les gens qui t'ont supporté! Ok, tonnerre super efficace, let's go. Est-ce que ça tue? Aimant, boost séparément. Oh là 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 là, Napoléon. Ouais, j'ai 10 niveaux de plus, bah oui, hein. Ouais, ça se voit. Hein. Ok, Drascor, il fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait sabotage? On peut le paralyser, je pense. Donc... Oh non, non, Napoléon. Ok, c'est bon. Napoléon le bulk. Ok, cage éclair, s'il te plaît, ne rate pas, c'est bon. Ok. On fait changer éclair. Putain, mais Napo? Napoléon 3? Allez, on met pizza. Oh la para! Ce n'est pas fini, ta première victoire à la Ligue Pokémon ne sera pas si facile. Ah mec, j'étais Luriforce.
Oh, il est plus rapide que moi. Tranche nuit. Oh, les dégâts du crit. Ok. Il est mort, il est mort, il est mort. Oh, c'est bon. Oh. Ok. C'était le premier. Il était... Ça va. J'accepte ma défaite. Tu as pu constater la puissance des Pokémon insectes et de la Ligue Pokémon, mais aussi à quel point le combat est une discipline complexe. J'ai perdu alors que les Pokémon insectes sont les plus forts et les plus beaux. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai compris la leçon, retour à l'entraînement, je compte sur toi pour m'encourager. Enfin, je veux dire, ton prochain défi t'attend. Il te reste 3 dresseurs à affronter, tous plus forts que moi. Alors donne-toi à fond. Ok. Franchement, on n'a même pas utilisé encore les Bécitrus. C'est assez stylé. C'est bon, c'est bon. Je joue plus vite, je veux écouter l'OST de Cynthia. Là, on est d'accord que j'ai utilisé très peu de PP et tout, hein. Ok. T'as un plan pour Cynthia. J'ai un plan secret. J'ai vraiment cru qu'il a les pertes de la peau. Moi aussi. En vrai, il fait peur parce qu'il peut coup critique, lui. Comment Ernestine n'a pas mangé la sienne? Il y avait tension. La Bécitrus de Ernestine. En fait, s'appelle Apirène à tension. Donc du coup, tu peux pas utiliser les PP. Ok. Allez, c'est parti. C'est quel type, ça? Franchement, je sais pas quel type, c'est. Roche, acier. Regardez-moi ça, comme tu es adorable, mais tu as également l'air redoutable. Je suis Terry. Les Pokémon de type sol. Pourquoi j'ai mis... Pourquoi j'ai mis Grolem en lead? Espèce de débilos. Non, ça va, ça va, ça va. J'ai fermeté. Je peux poser les pièges de rock. En vrai, c'est pas mal. Parce qu'imaginez, elle a des... elle a des Pokémon de type sol. Donc avec fermeté. Elle a peut-être des Pokémon genre Stylix. Elle a peut-être Stylix fermeté. Ok, Marest. Bon alors, Marest, c'est chaud patate. Mais... J'ai pas peur. Parce que j'ai fermeté. Non, c'est l'ébullition. J'avais oublié l'ébullition. Ah non, mais j'ai la Bécitrus. Donc c'est bon. Ok, il a fait toxique. J'ai la Bécitrus. Même si elle me met un PV et qu'elle me brûle avec ébullition, derrière j'ai la Bécitrus qui proc. Donc c'est bon. Tant que j'ai la Bécitrus, je ne peux pas mourir. À moins qu'il y ait une attaque genre Balgren. Mais si je vois un champignon Balgren, je m'en vais. Ok, j'ai posé les pièges de roc. Je sais pas si ça va servir. Et on va mettre Xavier Frigo. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est le monstre. Allez, sœur, c'est bon, elle a même pas... Allez, giga sensu. Oh, giga sensu spex sur Marest, double faiblesse, au revoir. Allez, à demain. Coup critique en plus, oh là là. Vous avez vu, j'ai pas l'affection, il me dit pas oui, il vous aime, alors il met un coup critique. Ok. Ok. Ah. Tu crois que ta baie va servir à... Ok. Pour l'instant, elle met que des Pokémon que je one-shot, hein. Comment t'as désactivé l'affection? J'ai donné des herbes amères à tous mes Pokémon. Ça a été très long et très chiant. J'ai dû en acheter aussi, ça a coûté cher. Oh putain, regardez comme j'ai eu raison de mettre les pièges de roc finalement. Le génie! Le génie! Non, c'est juste que je savais pas quel type elle était. En vrai, je pense que... En vrai, les mecs, je pense que je mets les pièges de roc à chaque fois. En vrai, j'ai même pas besoin de... J'ai même pas besoin de me prendre la tête. On va toujours faire ça, je pense. Oh là là! Incroyable! Xavier Frigo! Hippodocus, peut-être qu'il peut... Mais non, mais je suis mouchoir choix. Je suis lunette choix.
C'est... Tu as trouvé où les lunettes Choix? Les lunettes Choix, elles sont à la ville où il y a la grand-mère de Cynthia, là, ou la maman de Cynthia, je sais plus, je crois que c'est la grand-mère de Cynthia. Et vous savez, la grand-mère de Cynthia, à gauche, il y a un bâtiment, et le mec qui vous donne les lunettes sages. Mais si vous y allez entre 4h et 10h du matin, donc le matin en gros, et ben elle vous donne les lunettes Choix. Et je me suis réveillé plus tôt, en fait, hier, pas aujourd'hui, mais hier. Je devais emmener mon chat au vétérinaire, hein, pour ceux qui veulent savoir l'histoire. Et du coup, j'en ai profité pour récupérer les lunettes Choix. Voilà. Il est évident que tes Pokémon croient en toi et font de leur mieux pour remporter la victoire. Malgré ma défaite, je ne peux m'empêcher de sourire. Ok, alors celui-là, on a perdu genre un PV. Vous irez très loin. Ok, merci. On a legit perdu un PV. Autant utiliser le combo hyper potion total soin, comme ça c'est bon. J'ai même un petit antidote qui traîne, je crois encore, vas-y go. Ça nettoie un peu mon sac. Ok. Est-ce que je mets une huile sur le giga sensu de Xavier Frigo? Est-ce que je mets une huile sur le giga sensu de... Est-ce que j'ai une bémépo? Est-ce que j'ai des bémépo? Ok, j'ai des bémépo mais j'en ai que deux. Est-ce que j'ai pas un petit j'ai des huiles en vrai. En vrai 5 ça peut être peu, donc on va optimiser, vas-y go. Parce que là concrètement là les PP on a pratiquement rien dépensé, hein. Là c'est bon, là c'est largement bon je pense, là c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Allez. Ah, c'est le type feu. Ok. Alors, le type feu, ce qui est bien, c'est que j'ai Grolem et Tritosaur, ça devrait aller. Je sais pas si on te l'a dit, mais Torterra est de type plante sol. Ah, merci Gabidou pour ces fameux indices. Normalement, celui-là, ça va, non? J'ai une seule faiblesse feu dans la team. Non, j'ai deux faiblesses feu. Donc, eux, je peux pas les utiliser, presque. Mais j'ai Tritosaur et Squeezie PNL, ça devrait aller quand même. Hé, hey, l'artiste! Salut! C'est Rédemption. Je brûle l'impression de t'affronter depuis que j'ai appris que t'arrivais. J'ai entendu parler de tes exploits à Rivamar. T'as réussi à raviver la flamme de Tanguy, bien joué. Du coup, évidemment que j'ai hâte qu'on se batte. Ok, je suis contre Rédemption. Attention, Rédemption arrive. Exactement. Oh là là, c'est son avatar. Ça a été son avatar pendant tellement longtemps. Ok, Galopa. Bon, Galopa n'est pas dangereux. Alors, le seul Pokémon de type feu qui va pas avoir... Il y a quoi? Il y a Brazegali, il y a Simiabraz et il y a Heatran. Il aura pas de Heatran. Donc, si je mets les pièges de rock, toute sa team va prendre des dégâts supplémentaires presque. Donc, on peut mettre les pièges de rock. Ok. Il m'hypnotise. Je veux poser les pièges de rock quand même, je pense. Donc on va quand même essayer de se réveiller. Oh, il a que de fer. Oh, ça fait mal. Ok, il faut que je me réveille quand même parce que... C'est 75 de précision, cela dit. Ok, je vais me faire foutre, ok. Ok, la baie citrus. Ok, je vais pas pouvoir le taper, c'est trop chiant en vrai. Ok, je me réveille, j'ai mis les pièges de rock. Mais là, s'il me coup critique, sur la queue de fer, je crois que je meurs. Ouais, je meurs. Donc il faut que je mette pizza. Ok. Je vais crever à cause des herbes médicinales monstres qui nous maltraitent. Oh, mais c'est trop chiant! Je viens te voir à Dijon et j'aimerais t'offrir un joint, vas-tu accepter? Ok, fais que de faire. Non, je finis pas. Merci beaucoup pour vos dons. Allez, je dors profondément, évidemment. Je crois qu'on va déjà directement essayer de se soigner. Hein.
Putain, mais trop chiant. Ça va de réussir. Oh, et la défense drop. Ah, je peux pas rester. Ok, le soin quand même. Ok, ça va en vrai. La défense drop, c'est chiant en vrai. Ok, c'est bon. Au moins, il a raté l'attaque. Ok, bon, putain, le galopac était beaucoup trop dur. Et il a pas raté beaucoup d'attaques, hein. Il a mis 2 hypnoses, 3 queues de fer, bon, il m'a défense drop. En vrai, je sais pas ce qu'il a comme Pokémon, parce qu'il y a des Pokémon de type feu qui tapent très fort. Lockpin. Ok, Lockpin, comment on gère Lockpin? Napoléon, on peut paralyser Lockpin avec Napoléon. Ah mais non, parce qu'il a... son talent c'est Limber, putain, je viens de faire une erreur. Son talent ça l'immunise. Ok, qu'est-ce qu'il fait comme attaque lui? On va voir. Donc je peux pas... Ok, je dois faire Machouille pour le tuer. Attends, on va essayer de cacher clair. Oh, il a pied volti. Oh, le miss. Chez. Ok. Ah, ça marche, ok. Ah, il a joli sourire, ça veut dire. Ouais, Lockpin, ouais, un type feu, ouais, ouais, super, type feu, ouais. Non, attends, parce qu'il avoit le miroir, donc je dois faire Machouille pour le taper. Oh, putain, et non, mais les mecs, vous savez que j'ai switché? Vous savez que j'ai switché juste parce que j'avais le défense drop et j'étais en mode, si jamais il fait, je sais pas, retour, coup critique, bandeau choix, je sais pas. Du coup, j'ai switché. Mais si j'avais pas eu de défense drop, je serais resté sur le terrain. Je serais resté et j'aurais fait surf comme un abruti. Il m'aurait fait voile miroir. Galopa, merci de m'avoir baissé ma défense. Putain, mais merde. Il y a des Pokémon avec voile miroir dans le jeu. Ok, il faut qu'on fasse des Machouilles. Ok, pied voltige. Oh là là. Merci de m'avoir fait... De m'avoir passé... En vrai, la tonnerre ça tue, je pense. Ok. T'aurais tanké, tu fais pas très mal, je sais pas. Oh... Mais... C'est donc ça le fameux dresseur de type feu? Non mais c'est une blague! Le dresseur du type feu, il a Steelix et Lockpin! Mais... Machouille. Au! Ok, c'est quoi ma meilleure attaque? C'est Surf, hein. Ok, allez, au revoir Steelix de type feu. Mais... Mais c'est quoi cette team de type feu de l'enfer du cul de la mort? En vrai, je fais quoi? Je fais laser glace? Je fais laser glace. Oh, mais il a vol force! Mais c'est quoi ce type feu? Mais il est pas type feu! Il a aucun type feu! Et là, non, Gaudry n'a pas le voile miroir, je crois. Oh, par contre, les dégâts sont insane! Oh, la Bessitrus, par contre. La mort, j'arrive bientôt. Non, 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 viens pas, viens pas, viens pas. Ok, on a laser glace encore. C'est comme vol force. En vrai, on lui fait tellement mal. Ouais, le fameux Gaudry de type feu, hein. Bon, on connaît, hein. Putain, il est... Let's go! Oh, guérison! Je m'en fous! J'ai métronome, les mecs. Oh, tu prends tellement cher, mon gars. Je crois qu'il est mort. Je me suis tellement boosté. Métronome, la puissance de métronome. Il est en train de spammer les guérisons, ce débile.
vivant encore. Hein. En vrai, là, on peut faire soin. Qu'est-ce qu'il peut... Attends, il a prélèvement du destin, peut-être. Mais attends, mais depuis le début, j'avais pas pensé à prélèvement du destin. Non, non, on tape, hein. On peut changer, on peut taper surf maintenant. Ok, il a fait feu follet, ça va. Oh là. Ok. Bon, il a pas fait grand chose à part rien faire. Par contre, je tape pas fort là. Ah oh. Bon alors c'est quoi son dernier Pokémon? Ça va pas être un type feu? Ah oh putain! Ce truc à nœud herbe! Ce truc à nœud herbe! Ce truc à nœud herbe! En fait il n'a que deux types feu et les explications là-dessus sont fausses. Ce truc à nœud herbe. Ce truc à nœud herbe, ce truc à nœud herbe, il faut que je switch. Mal à l'aise. Bonne chance. Merci Azagi, merci beaucoup. Ok. On met quoi? Ernestine? Ernestine résiste, double résistance à type combat. En gros, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire une attaque combat, il peut faire une attaque nœud herbe. Donc on est d'accord que si on met Ernestine, normalement on est safe. S'il a nœud herbe, je vais mourir. Donc, et nœud herbe, c'est une attaque de la 4G, donc il y a des chances. Ok, il a fait close combat. Ok, ça fait très très mal. Bon alors, putain, normalement je le dépasse, hein. J'espère que je suis plus rapide que lui. Il est niveau 61. Ok, est-ce que l'aéropic tue là? Je pense que l'aéropic tue. J'ai trop peur de rater vol. La baie citrus! Qui ne sert à rien, mais qui est là. Ok. Ok, ok. Ok. Ne rate pas vol! C'est maintenant! Ernestine! 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 Qui tue? Qui tue? C'est évidemment ça tue! Évidemment! Le coup critique même! Ok, numéro 3! Terrible! Merci beaucoup pour le sub! Ok, je m'attendais pas à ça, c'est parce que je te sous-estimais, mais je pensais vraiment pas perdre ce combat. En tout cas, tes Pokémon et toi, vous êtes vraiment fantastiques. Ok, 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 ok. Trois petits points, trois petits points, trois petits points. Tu m'as réduit en cendres. Putain. Ok, celui-là, il était un peu plus relevé. Est-ce qu'on a utilisé assez d'objets? Attends, est-ce qu'on a pas... Est-ce qu'on a assez de PP là? Pour la suite. Bon alors lui il a pu juste mettre un piège de roc, donc lui c'est bon. Lui ça va encore, faut arrêter. Elle a rien. On n'a pas encore utilisé du tout notre arme secrète, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. J'ai peut-être utilisé un petit élixir sur pizza. Est-ce que j'utilise un petit élixir sur pizza? En vrai, vous savez, en vrai, dans la vie, faut y aller. Pour l'instant, j'ai utilisé toute ma team sauf Grignot. Plutôt une bonne nouvelle. Ah, je suis trop stressé! Ah oui, remets une baie. Faut remettre une baie, c'est vrai, t'as raison. Bien vu. Faut que je remette deux baies, du coup. Normalement, j'en aurai assez. Des baies citrus. Ouais, c'est bon, il m'en reste 6. Et putain, j'arrive... Je suis tellement stressé, j'arrive pas! Ok. Ok, voilà, parfait. Le type psy, ça va être chaud parce que j'ai aucune attaque super efficace sur le type psy à part Machouille de Napoléon et que j'ai une seule résistance. Je pense qu'il y a moyen qu'on doive utiliser Archéodong. Tu ne pouvais pas mieux tomber, je viens tout juste de finir mon livre. Ah, pourquoi t'es au milieu du livre alors?
Permets-moi de me présenter, je suis Lucio, adepte des Pokémon de type Psy. Je dois admettre que tu m'impressionnes. Ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver jusqu'ici. Sache que l'on me considère comme le plus redoutable des membres du Conseil 4. Et je vais te prouver sur le champ que je suis à la hauteur de ma réputation. Pourquoi tu sauvegardes ? Réflexe. Ça sert à rien de sauvegarder, mais réflexe. T'as demi-tour. Oui, mais je veux placer mes pièges de roc. En vrai, les pièges de roc, pour l'instant, c'est tellement fort. En fait, Signabras et Galopin sont les seuls qui peuvent jusqu'au arrêt. Ah, d'accord. C'est vrai, t'as raison. Ok, Monsieur Mime. On met les pièges de roc. De toute manière, on met les pièges de roc. Protection. Oh non, ça va être un Monsieur Mime chiant, non? Ça va être un chiant Mime. Ok. On fait quoi? Piétisol ou séisme? Déjà, est-ce qu'on le garde en vie? Mais il va faire psycho. Est-ce qu'il a psycho? Parce que s'il a pas psycho, je mets Ernestine, je fais poison croix. Mais non, ça marchera pas. Ah, réfléchis, filon. Sinon, je peux mettre Xavier Frigo et faire Bomber. Non, c'est trop dangereux. En vrai, je fais séisme, non? Ok, bon, j'ai bien fait de pas mettre mes types poison. Oh, les dégâts! Monsieur Mime! Il fait trop mal! C'est quoi mon switch heal sur Monsieur Mime, à part lui, là? J'en ai pas. Oh, les mecs, je suis obligé. Les mecs, je suis obligé. Archéodong, let's go. Double résistance. Oh, on va mettre des plénitudes. Coup critique en plus. Ok. Bon, les mecs, vous êtes prêts? Regardez. C'est parti pour l'arme ultime de ce Nuzlocke. Ce n'est pas Pichon. Attends, il fait mal! On fait plénitude en premier. Ok, c'est parti, Grignot, les mecs. Mettez des cœurs pour Grignot! Grignot, tu peux le faire, il a les restes! Est-ce que ça va passer sans utiliser d'objets? Je sais pas. Hein. On fait quoi? Double plénitude, ensuite on fait mire de fer au cas où il switch. Je pense pas qu'il va switcher, mais... Faut qu'on compte les tours! Faut qu'on compte les tours aussi! Je l'ai fumé avec garde-voir seul. Triple plénitude est fini. Lui, là? Bah oui, mais t'es trop fort, moi je suis nul. Bonne chance pour Cynthia, il m'a... Oh non, Tegvin, dis pas ça! Merci pour ton gros don, mais dis pas ça! Ok. Mur de fer. Au cas où il switch. Ok, Ok, mur lumière, on compte les tours, on compte les tours! Il faut qu'on le tue... À la fin. Donc, ok, c'est parti. Je mets un seul mur de fer. Ouais, ça ira, je pense. Est-ce qu'il a des Pokémon qui tapent sur le physique? Je sais pas. Ok. Ok. C'est le deuxième tour. Il reste 6 tours, parce que je pense qu'il a la... Oui, il a la... Ok. Plénitude. 5 tours. On compte les tours. Plénitude. Et à la fin, on met un clone. J'espère qu'il a pas de Pokémon genre Galam. S'il a un Pokémon qui tape sur le physique... Ok, 5 tours. 4 tours. Ok, il nous fait 0. 4 tours. Je suis tellement saucé! Let's go, Grignot! C'est le set que j'ai créé spécialement pour Cynthia, mais voilà un petit avant-goût. Ok. Ok. Alors attends, on compte. 3 tours, je fais plénitude. 2 tours, je fais clonage. 1 tour, je fais lumineux canon et c'est bon. Ok, donc dernière plénitude. Puis donc en full tryhard. Je suis en full tryhard! Il a Galam. Oh putain, il a Galam. Ok. Mais j'ai besoin de l'attaquer maintenant. Merci beaucoup. Ok. Donc, il reste 2 tours. Non, il reste 3 tours. Donc là, je fais clonage. Non, si, c'est. Il reste 2 tours. Donc là, il reste 1 tour. Je fais clonage. Putain, le génie.
Regardez comme je sais compter. Incroyable, je sais compter jusqu'à 8, je sais. Ok. Clonage. Pour éviter les coups critiques maintenant. Il reste un tour, donc il peut pas remettre le... Il peut pas le remettre. Et là, lumine au canon. Oh, ça devrait tuer quand même. Et il peut pas casser mon clone. Sauf s'il crit. Crit pas. Ok, c'est bon. Et c'est parti! Let's go! Je suis à plus 5! Y'a plus le mur, y'a plus le mur lumière normalement. Si j'ai bien compté. Les restes. J'ai mal compté, j'ai mal compté, j'ai mal compté! J'ai mal compté! J'ai mal compté, non? Oh putain, dis-moi qu'il n'y a plus le mur lumière. J'ai mal compté, je crois. Non, j'ai mal compté! Je suis plus rapide que. Pourquoi je suis plus rapide que Charmina? Oh! Ok, ok. Je suis plus rapide que Charmina pour une question que j'ignore. Mais merde, j'avais mal compté, quel débile! Mais attends, mais non! Bon, on est d'accord, je sais pas pourquoi. Attends, mais c'est. Serait-ce le fameux Gricknot timide? Le fameux Gricknot timide, 91 en vitesse. Serait-ce le fameux Gricknot super rapide? Ok, il a fait guérison. Mais j'ai compris qu'il avait lu margine, mais j'ai compté 8 tours, les mecs. J'ai compté 8 tours. Je sais pas compter. Oh, vous êtes 10 000, ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas été 10 000 sur live, merci beaucoup. Mais attends, mais je sais pas compter, je suis débile. Attends, mais... Il a mis le mur. Ah mais non, mais j'ai fait 6 tours. Ok, je suis plus rapide que lui, je sais pas pourquoi, mais je suis plus rapide que lui, donc genre... Oh, il a refait guérison, chais. Je suis le fast. Le fast Archéodong. C'est moi. Ouais, j'avais compté 6, j'avais pas compté 8, je suis débile. Ok, c'est bon. Le fameux Archéodong le plus rapide de l'univers. Ok, est-ce qu'il a Galam maintenant? Il m'a pas touché, il m'a juste cassé mon clone alors que c'était Charmina pied voltige. Ok, let's go. Girafarig. Alors, Girafarig, ça fait quoi? On remet un clone au cas où il me coup critique, je sais pas, il a ballon ce truc. Tonnerre, ok. Pfff, ouah, les dégâts! Les dégâts! Ok! Merci d'être aussi nombreux, ça faisait tellement longtemps. Ok. Ok. Lumine au canon. Oh non! Mais il remet des murs lumière tout le temps! Archéodong, il a du mal. Allez, tu peux le faire. Oh, oh ça. Oh, ça fait mal, quand même. Ça fait mal. À protection, n'a plus d'effet. Il me reste que 5 lumineux canons. Je sais pas si ça va aller. Hein. Je vais peut-être devoir switcher. Hein. Ok. Pour l'instant, il n'y a pas de Galam, ça va. Oh, le mur de fer. Le mur de fer qui a servi à rien. Le Charmina, il cassait mon clone. Mais disons que ça m'a mis la confiance en mode... Même s'il me dépasse, je pense que je tank un pied voltige. Je suis tellement... Regardez ce set. C'est original. J'utilise même pas d'objet. J'ai pas utilisé un seul objet pour l'instant. Est-ce que je vais réussir sur Cynthia? Je pense pas. Mais... J'ai pas utilisé d'objet sur les 4 premiers. En uslock, sans affection. Ok, il a fait machination. En vrai, s'il a la... Oh, je lui ai baissé sa défense passive. Ok. Encore un petit plénitude. En vrai, on pourrait remettre une plénitude, mais bon. Ah, il nous reste que 2 lumineux canons après ça. Hein. Onde de choc, est-ce que ça casse le clone? Non, ça casse pas le clone. Ok, et c'est qui son dernier poké?
Parce que là, on a plus de... C'est trop long, quoi. En vrai, on peut mettre une plénitude. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre une plénitude. C'est qui son dernier? Galam? Si c'est Galam, c'est bon. Quelle stratégie adopter? Archéodon. Ouais, j'aurais plus assez de PP, peut-être, ouais. Oh non! Il a son propre Archéodon! Ok, attends, on fait quoi? On fait plénitude. Parce que, comme ça, y a plus le machin... Ok, on se booste une dernière fois. Oh non, il a représailles, il a une attaque super efficace. Il va casser mon clone, là. Je sais pas s'il casse mon clone... Ah, je peux pas risquer le crit. S'il me coupe critique, je... Ok, donc je dois remettre un clone. Heureusement, je suis plus rapide que lui, car je suis, je rappelle, le Archéodon le plus rapide de la Voie Lactée. Il me reste que 2 lumino-canons, je suis à plus 6. Est-ce que ça peut suffire à two-shot Archéodon? Je ne sais pas, on va le savoir. Ok, il a fait représailles. Il faut pas qu'il casse mon clone, sinon je vais devoir mettre des murs de fer. Oh non, bâtard! Je suis obligé de faire mur de fer. Là, s'il me coupe critique alors que j'ai pas tapé, ça fait moins mal, représailles. Donc je dois faire mur de fer. Je suis obligé de faire mur de fer parce que si je le tape, représailles double en efficacité, ça a 100 de puissance, 200 avec le super efficace. S'il me coupe critique, il y a moins que je meurs. Donc là, je fais représailles, même s'il me coupe critique, ça va. Ok, je pense que je le tank du coup. Donc on refait clonage. Ok. Normalement, il peut plus casser mon clone. Parce que cette fois, j'ai mis le représailles. Sinon, en vrai, je vais switcher. S'il casse mon clone, je vais switcher. Yes, c'est bon. Ok. Il est bandeau choix. Je sais pas c'est quoi son item, mais il fait très très mal. Ok, donc là maintenant, il va me casser mon clone, mais on a lumino-canon. Est-ce qu'on arrive à two-shot avec lumino-canon? C'est parti. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas, les mecs. Ça passe pas! Non! Alors, je peux le refaire une fois. Je peux le refaire, mais une fois. Je peux le refaire une fois, utiliser mon dernier PP. Ça passera pas, je suis obligé de switcher. Bon, ça va en vrai. Est-ce qu'il lui reste des guérisons? Non, mais attends, là, je peux remettre un clone. Oh, j'espère vraiment que je suis plus rapide que lui, que c'est pas un speed tie depuis le début. Non, c'est bon. Ok. Ok, ne casse pas mon clone. Pas de coup critique. Ok, il est trop fort. Ah putain, la bécitrus de l'enfer. Vous imaginez si j'avais psycho? Heureusement que je savais qu'il y avait un dresseur de type de type psy dans l'arène et que j'étais en mode c'est Archéodon ma seule chance. Allez, tue! Oh, les mecs, ça va être à Napoléon de le faire. Non, on la joue safe. Napoléon, à toi de briller. C'est à Napoléon de briller, les mecs. En plus, Napoléon a intimidation. Je dois dire que pour la première fois, vous n'êtes pas en train de spammer des lol, c'est nul et tout. Vous êtes en train de vous hyper pour ce que je fais et ça fait tellement plaisir parce que c'est tellement en mode je réfléchis à chaque tour, c'est trop cool. Allez, représailles, ça fait zéro. Ok, Napoléon, le Napoléon qui est venu, qui a vaincu. Incroyable. Lucio du Conseil des 4. Il ne reste que Cynthia, 6 Pokémon et la victoire. Tes présentes victoires n'avaient rien à coup de chance, ta force est réelle. Ok. Toutes mes félicitations, tu as battu le Conseil 4. Cependant, cela ne veut pas dire que tu en as fini avec la Ligue Pokémon. Il te reste à affronter le Maître, mais laisse-moi te prévenir, le Maître est bien plus puissant que les membres du Conseil 4. Va, Fougueux Dresseur, la route vers la gloire est à toi. Ok. Je suis en train de trembler tellement je stresse. Ça m'était pas arrivé depuis des années de trembler devant un jeu vidéo. Putain, j'arrivais pas à viser. Ok. Ok. Ok, donc déjà penser lui apprendre psycho.
Regardez, on fait du changement de CT pendant la ligue. En mode, on optimise. Le combat est stylé en vrai. Greek Note Forever. Yes, en vrai c'est vraiment stylé. Hein. Ok, on enlève Lumino Canon. Merci Lumino Canon d'avoir existé. On met Psycho. Du coup, Psycho, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ne tue pas le Spiritombe, Greek Note ne sert à rien. Ok, maintenant il me faut un élixir sur Greek Note. Je pense qu'élixir ça suffit, oui, ça suffit. Pas max élixir. Je peux garder les max élixirs. Pour peut-être dans le combat, je sais pas. Ok, c'était mon dernier max élixir. C'était mon dernier élixir. Mais là, je suis full PP sur Greek Note. Ok, je suis full PP à nouveau. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Ok, là, c'est bon. Donc là, maintenant, je vais vous donner mon plan. Parce que du coup, comme je connais la team de Cynthia, j'ai un plan. Regardez mon plan. Numéro 1, on met Squeezie PNL. Tour 1, on fait pas les pièges de rock tout de suite. Tour 1, on fait séisme. Pourquoi séisme? Parce que si séisme est capable de tout shot, tuer Spiritomb, c'est ma méga priorité. Parce que Archéodong peut sweep toute la team de Cynthia si Spiritomb est mort. Mais seulement si Spiritomb est mort. Donc, je fais séisme. Si je suis capable de tout shot le Pokémon de Cynthia, je spam séisme et je tue le Spiritomb. Si je suis pas capable, je mets quand même les pièges de rock au cas où il y a une ceinture force dans l'équipe. J'ai mes deux Bécitrus. Une fois que j'ai... Si je suis pas capable de tout shot, je mets Xavier Frigo en espérant tanker l'attaque parce que j'espère qu'il va pas faire psycho. Parce que je sais qu'il a psycho. Et j'essaye de le tuer avec éclat magique lunette choix. Je suis tellement stressé. T'es sûr que cette fois elle valide avec Spiritomb? Normalement c'est son premier Pokémon, donc oui. Ça change pas. Terrible désillusion. Merci Genesis pour ton sponsor. Let's go. Let's go. Filrong versus Cynthia. Ma team est pas très haut niveau, hein. Ma team est niveau 63-64. On est au même niveau que la team de Cynthia. T'as mis des PP à Psycho? Normalement, j'ai pas besoin de PP plus sur Psycho, mais on peut en mettre un. On peut en mettre un. Je sais pas si j'en ai. Je sais même pas si j'en ai en fait. Non, mais j'ai pas de PP. J'ai pas de PP plus. J'ai pas de PP plus, les mecs. Je peux pas mettre de PP plus si j'en ai pas. Ouais, dédudu, mais dans vos cœurs. J'ai pas de... Ah si, j'ai un PP+, vas-y, go. On peut mettre un psycho supplémentaire. C'est bon, ça marche, hein. Est-ce que ça me fait pas 10 sur 12? Je peux pas faire mieux, hein. Je peux littéralement pas faire mieux. Ok. C'est parti. C'est impossible de mettre du dudu quand il y a ça. Petit kiff. Ok. Salut Fifou, tu vas tellement fister Cynthia qu'elle va se chier dessus. Comment vas-tu depuis l'autre fois? Merci beaucoup pour le don. Merci pour ce que tu as fait au Mont Couronné. Tes Pokémon et toi avez surmonté tant d'épreuves ensemble. Vous n'avez cessé de vous surpasser. Ces épreuves vous ont permis d'accumuler une force impressionnante, je le sens. Mais assez parlé. Passons aux choses sérieuses. S'il te plaît, Cynthia! S'il te plaît, mon Nuzlocke! Moi, maître de la ligue Pokémon, j'accepte ton défi! Ok, je me mets le son. Je regarde pas le chat. C'est parti. Cynthia, je ne suis pas n'importe qui.
Je suis Fildrong. J'ai appris la stratégie à la moitié de la communauté des stratèges français. C'est entre toi et moi maintenant. Séisme tour 1, pour voir les dégâts. Est-ce qu'on touchote? S'il te plaît, qu'on touchote. On touchote pas, putain. Ok, on touchote pas. Mais elle est peut-être à... Ah bah l'ombre. Oh! Ok, la baie citrus. On peut mettre les pièges de roc. Merci la mort. On met les pièges de roc, on met les pièges de roc. On met les pièges de roc. Pièges de roc. Merci Genesis. Pas de coup critique, pas pour... Oh le vibre obscur. Non. Ce que j'appelle le coup critique. Le coup critique. Non. Ok. Ça nous donne le Xavier Frigo gratuit. Ça nous donne le Xavier Frigo gratuit. Non, le premier mort. Le coup critique. Xavier Frigo, venge-le. Éclat magique maintenant. Chez. Squeezie PNL, on ne t'oubliera pas. On ne t'oubliera pas. Oh. Jusqu'à la fin, tu auras posé les pièges de roc sur l'équipe adverse. Et ça, pour ça, on te remercie. Ok, comment je gère... Comment je gère Milobelus? Est-ce que je me set up sur Milobelus? Réfléchissons. Je peux mettre pizza. Mais le problème, c'est que si je mets pizza, sur quel Pokémon je peux set up? Attends. Le truc, c'est que... Idéalement, il faudrait que je set up Grignote sur Tritosaur. Mais si je mets Tritosaur, que j'utilise Tritosaur pour tuer Milobelus, et que derrière il met Roserade et que Roserade a genre poudre dodo, il y a moyen que ça me détruise complètement ma stratégie. Est-ce que je mets Grignote direct? Cynthia, tu m'as coup critique. Il n'y a plus aucun respect. Je n'ai plus rien à foutre. Le bat drogue est de retour. Oh, la serglace, attention, ne me frise pas, s'il te plaît. C'est bon. Ok. Je sais pas si ça va passer. Voilà l'orbe flamme qui proque. Et on commence les plénitudes. Je peux pas mettre de psycho tout de suite parce que je pense qu'il fait trop mal. Attention, les dégâts d'ébullition. Oh, ça fait tellement mal, sa mère, la pute! Je crois que... S'il me coup critique, là, je pense que je meurs. Non, 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 je meurs pas sur coup critique. Attends, Filon, concentre-toi, concentre-toi. Merci beaucoup, merci Doudza. Attendez. J'ai 107. 173. J'ai pris quelques petits dégâts de laser glace. Je pense qu'elle me tue avec un coup critique. Mais si elle me recrite... Les mecs, j'ai perdu un Pokémon sur coup critique. Cynthia, tu vas utiliser des potions? Je vais en utiliser aussi. Si elle me crit pas là, je peux y aller. Parce que là j'ai mis la plénitude. Ok, là c'est bon, là je peux y aller. Là, oh, par contre le burn c'est trop chiant. Mais en vrai là si elle me coup critique c'est bon. Ok. On va devoir utiliser des guérisons. Hein. On va devoir set up avec guérison les mecs. Hein. On n'a pas le choix. Le challenge sans objet, moins important que la réussite du Nuzlocke. Bat Drong est de retour, c'est parti. Dès qu'on est à portée de kill d'un coup critique, on se casse, on soigne. J'en ai rien à foutre. Le but c'est de vaincre Cynthia, le but c'est pas de pas utiliser d'objet. J'utilise toutes les armes qu'on peut me donner, Cynthia. Tu ne mourras pas comme ça. Tu utilises des guérisons, j'utiliserai des guérisons.
Tu co-critiques ? Je vais te co-critiquer aussi. C'est un combat. Un combat de longue durée. Ok, me reburn pas. Oh le crit ! Le crit ! Le crit ! Le crit, putain ! Le type passier. Enfin le retour tant attendu de Badrong. Allez Badrong, sauve-nous. Let's go ! Le type passier. Le crit, je l'avais dit ! Je l'avais dit qu'il y aurait un crit ! J'ai tellement bien fait d'utiliser un objet ! Oh mon dieu ! Merci beaucoup ! Il est tout rouge ! Je suis tellement stressé ! Ok. No crit. Me crit pas tout le temps. Ok, là c'est bon, on peut se setup. On va pouvoir commencer à mettre des... On va commencer à pouvoir mettre des clonages là. Tu joues trop safe. C'est Cynthia. Et pour vaincre Cynthia, il faut de quoi vaincre Cynthia, tout simplement. Encore une plénitude. Si je passe Milo Bellu, j'ai gagné, hein. Je pense, hein. Allez, j'essaye de plus utiliser de guérison, là. On dit que c'était la dernière. Mais en même temps, il arrête pas de me brûler. Il m'a brûlé 3 fois, le bâtard. 3 fois sur, genre, 5 ébullitions. Je veux dire, merde. Moi, je veux bien... Voilà, c'est bon, là. Me brûle pas. Ok, c'est parti. On a utilisé 3 guérisons. Ça va. C'est autant que Cynthia en a. C'est autant que Cynthia en a. Ok, il se soigne, en plus. C'est parti, on a utilisé, c'est bon. Plus d'objets, plus d'objets, plus d'objets, plus d'objets, plus d'objets. Plus d'objets. 4 potions maximum vu que Cynthia en a que 4. C'est bon. On en a utilisé 4, je crois. Donc c'est bon du coup. Du coup, c'est bon. Vas-y, Pif, on croit en toi. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. À la bataille comme à la bataille. Plus de potions, plus de potions. Bah oui, c'est vrai. Bah du coup, j'en ai... Elle en a 4, j'en ai utilisé 4, voilà. On dit comme ça. Non, non, c'est bon, c'est bon. Plus d'objets, plus d'objets. J'ai réussi à me setup comme Cynthia l'aurait fait, avec quelques objets. Ce qui dit pour objet fermé à 100%, vous l'avez fait vous. On s'en fout, les mecs, on s'en fout. Laissez les rageux dans leur coin, on s'en fout. Il y en a littéralement 50 qui sont en train de rager. Laissez-les tranquilles. On s'en fout. Je sais que tous les autres sont heureux. Ok. Il me reste 2 plénitudes à placer. Je pense que je peux tanker encore une ébullition avant qu'il casse mon clone. J'ai vraiment... Il faut pas du tout que mon clone... Faut que quand mon clone se... Putain. J'ai mal compté. Je pensais qu'il... Ah putain, s'il me brûle, ça va être tellement chiant. Mais je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable quand même. Ok. Me brûle pas, 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 me crie pas. Me brûle pas, me crie pas, me brûle pas, me crie pas. Mais elle passe sa vie à brûler. Putain! Mais putain de pute! Elle m'a brûlé! Elle m'a brûlé 4 fois! 4 fois en 6 attaques! Putain, Cynthia, nique ta race! Bon, on reste calme. Il faut qu'on mette au moins un mur de fer. Chef. excusez-moi. Ok, faut que je mette un mur de fer. On replace un... Mon plan, c'est... On remet un mur de fer. On remet un clone.
Et on y va. Est-ce qu'on met un mur de fer en vrai? Ouais, on met un mur de fer, on met un mur de fer. Petit passé. Tu retires ton ouais. T-shirt si tu gagnes. On verra. Ok. Mur de fer. Petit passé. Objet pas objet, ne sommes-nous pas tous humains après tout? C'est vrai, t'as raison. Remets une guérison. Non, non, c'est bon. Je la tente avec autant d'objets qu'elle. Pour l'instant. Ok, là c'est sûr elle meurt. J'ai mis le truc, mais c'est sûr qu'elle casse mon clone là. Donc je veux qu'elle... Elle casse mon clone là avec ébullition. Oh, elle a fait soin la bâtard. C'est pas grave, on va juste faire clonage. Jusqu'à ce qu'elle casse mon clone. Et ensuite... Ensuite on attaque. Allez. Ébullition, casse mon clone. Ok, je remets le clone. Il faut juste qu'elle me crit pas. Alors, si elle me co-critique sur mon clone, j'annonce, je remets une guérison. Faut pas exagérer. Mais là, je tente sans. Putain, heureusement qu'on a les restes. Ok. C'est parti. Tant que je suis derrière mon clone, j'ai pas peur. 'Casse pas, pas de crit. Yes. En vrai, c'était la championne de type feu vu les deux. C'est sûr. Premier don, on prend un foie, gagne. Merci. Allez, survie, putain. Bah, ça tape pas très fort en même temps. Le spdev drop, ça fait que si elle réutilise une guérison, normalement c'est bon. Oh là là, elle est débile, elle a fait soin. C'est bon. Il reste quoi là? Je suis derrière mon clone. Putain, je vis tellement on the edge, j'ai 42 PV en permanence sur mon poké, mais je suis derrière mon clone. Allez, tu vois le Streetosaur en one shot. Allez, let's go. Oh, la musique est tellement incroyable. Roserade. Qu'est-ce que ça fait, Roserade? J'ai tellement peur qu'il casse mon clone. Oh non, il a ballon, il va casser mon clone. Non, mon clone. Je suis obligé de me soigner, je pense. Non. Si je me fais crit. Les mecs, je suis désolé. J'aurais tenté, mais là... En fait, le truc, c'est que... Si j'avais encore mon Squeezie PNL, je pourrais gagner, là, contre Karchakrock et Lucario. Mais là, je peux plus, en fait. Tu es capable. Non, il y a Lucario... Il y a Lucario, s'il me coup critique... Si elle m'avait pas brûlé une quatrième fois, ça passait. Mais la brûlure, ça passe pas. Ok, let's go. Ok.
Lucario qui fait machination, ça fait peur un peu. Hein. Oh, s'il me crit. C'est bon. Oh, les dégâts qu'il fait malgré le plus 6 en attaque spéciale. C'est bon. Oh, oh les rageux dans le chat. Oh là là. Ça faisait une éternité que je m'étais pas retrouvé en si mauvais... Attendez, parce que Karchakrok, c'est son dernier poké. Le crit sur la dracogriffe. Yeah, j'en ai rien à foutre. Cynthia one shot en Nuzlocke sans affection. Ok d'accord, j'ai utilisé des objets, j'en ai tellement rien à foutre. Vous pouvez rager dans votre coin, au revoir. Au revoir. Oh. Quel combat exceptionnel! Tu as mené tes Pokémon à la victoire! Le Nuzlocke vaincu! Et les mecs qui sont pas contents, cassez-vous! Mais cassez-vous! Oh mon dieu, putain! Incroyable! Au revoir! J'ai utilisé 6 objets dans la totalité du jeu, les mecs! Arrêtez de me casser les couilles! J'ai utilisé 6 objets dans la totalité du jeu, dont 5 sur Cynthia. Vous pouvez... Franchement, je suis en putain de Nuzlocke. J'ai baissé mon affection. J'ai pas fait d'XP. Le Karchakrok avait 4 niveaux de plus que moi. Arrêtez. Merci. Dites GG, c'est tout. Au bout de ce couloir se trouve le Panthéon. Ton dernier combat était grandiose. J'avais pas le choix, j'avais pas de Pokémon pour passer Karchakrok à part mon Grignote. Eh bien, dire qu'un enfant à qui j'ai demandé de l'aide pour le Pokédex est parvenu jusqu'ici, je ne manquerai son heure de gloire pour rien au monde. Tu as tellement mûri, tu es devenu un dresseur puissant, indépendant, sur qui l'on peut compter. Vous aimez toujours autant voir l'évolution des jeunes dresseurs. Bon, c'est le... j'allais dire une connerie. Suis-moi s'il te plaît. Professeur Sorbier, je voudrais que vous veniez également. Ah, mais voilà tout le monde. C'est le professeur Nicolas Hulot, les mecs. Non, mais c'est un Nuzlocke, hein. Dans un Nuzlocke, t'as pas ça, hein, c'est tout, hein, voilà. Bravo, mon fifou, le type acier pour toujours. Merci, Nerios. La dernière fois que je suis venu ici remonte à bien longtemps. Si vous voulez parler de mon entrée au Panthéon, en effet, c'était il y a une éternité. Or, quoi qu'il en soit, bienvenue au Panthéon des dresseurs, fifou. Premier don de ma vie à AA pour toi. Merci beaucoup. Ton nom est celui de tes Pokémon. Le souvenir de vos aventures y resteront gravés. Rappelle-toi que tes Pokémon sont tes partenaires et qu'ils grandissent avec toi. Cette machine va enregistrer vos prouesses pour l'éternité. C'est parti. Merci à Zayusaya pour le gros don, let's go. Pour la victoire. J'ai eu que 2 morts sur ce Nuzlocke. Squeezie PNL. Les cœurs, les mecs, pour Squeezie PNL. Ernestine qui a survécu jusqu'au bout. Xavier Frigo qui a permis le sweep. Grignote, le MVP ultime. Pizza, sans qui on n'aurait pas vaincu le type, le dresseur de type feu, le remplaçant du starter. Et Napoléon, Napoléon est arrivé à vaincre la ligue. Napoléon a fini un putain de let's play. La malédiction, la malédiction, mesdames et messieurs. Enfin vaincu. Enfin, enfin, la victoire de Napoléon. Incroyable. Incroyable team, incroyable Nuzlocke. La maîtrise, 2 morts, 6 objets utilisés dans le total du jeu en combat. Incroyable. Incroyable, Cynthia. Ouh. Rip les voisins, ouais. Clairement. Et vous étiez 12 000, ça faisait tellement longtemps. Merci du fond du cœur. Ça montre que vous êtes encore présent. Incroyable. Ah. Tu réussis le jeu, mais pas en Nuzlocke. Pourquoi?
Bon, alors, pour les trois relous dans le fond, là, qui suivent pas, les règles du Nuzlocke, c'est... Si ton Pokémon est mis KO, il meurt, tu ne peux plus l'utiliser. Tu ne peux capturer qu'un seul Pokémon par zone. Il n'y a aucune autre règle dans le Nuzlocke de base. Il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de Poké Center, il n'y a pas de machin. Il n'y a que ça, il y a deux règles, les mecs. Il y a deux règles dans le Nuzlocke. Donc, le Nuzlocke est réussi. Que ce soit à votre manière ou pas, moi je joue comme j'ai envie de jouer. J'ai tenté le no-item, on a réussi le no-item jusqu'à Cynthia. Cynthia, le Milobelus tapait un peu trop fort, c'était trop dur de ce setup sur Cynthia, donc voilà. Sachant que si j'avais pas Archéodong, ma team se faisait littéralement détruire par Karchakrok. Karchakrok, il arrivait, sans mon Archéodong, il arrivait, il mettait une dans Slam, toute ma team était morte. Donc, c'était soit je faisais le setup, ce que j'ai fait, soit je perdais.